Nous sommes dans le centre de santé du feu d'Ikro. Tous ces enfants, au nom de 13 personnes, viennent d'Akimiaoko depuis hier nuit. Ils ont consommé des insectes qu'on appelle communément, bon, je ne connais pas le nom en français, qu'on appelle mlé. Quand il pleut, ces insectes-là sortent et les enfants doivent les ramasser pour préparer. Quand ils ont fini de manger, tous sont malades. Et nous sommes dans le centre de santé de Foudiko. Alors, vous voyez, j'ai dit qu'ils sont au nombre de 13, mais je viens de confirmer qu'ils sont 14. Alors, il y a des gens qui sont encore en arrière, à Kimuyaokro, dans le village, et ceux qui sont là sont déjà dans le centre de santé. Nous sommes dans la salle d'observation, et donc on attend l'infirmier pour, en tout cas, prescrire les nécessaires. Voilà. Donc, oui, et en tout cas, ils étaient allés creuser, comment on appelle ça, termitière, et c'est dans termitière là qu'ils ont trouvé ces insectes-là. Disons, ce sont des termites. Et donc, ils sont tous malades. Ils viennent d'Akimiaoko. Ce sont les enfants. Vous voyez, ils sont tous couchés ici. Et voici les parents. Ils sont là. Vous voyez, ils sont tous là. Alors, voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est un mal là. Donc, qui attaque, donc, disons, les enfants du village. Vous voyez. Pardon, merci.